Quand j'ai commencé à travailler au début des années 2000, bon, c'était pas hyper évident d'aborder la question du racisme, la question de l'immigration, c'était pas très évident, d'un côté comme de l'autre. Sur le terrain, il y avait à la fois moi, où je sentais que bon, tous les gens qui m'entouraient ne voyaient pas d'un très bon œil l'enquête que je commençais, et puis il y avait le terrain où il y a plein de gens qui me disaient ben non, moi je veux pas trop enregistrer, je veux pas parler, des gens qui me raccrochaient au nez, enfin. On peut dire qu'au début, le thème de l'immigration maghrébine, hein, j'entends, et du racisme était un thème tabou. On est quand même dans une période qui arrive après ce qui s'est passé au Jardin de l'Empereur, qui était quand même un événement extrêmement violent, au moins au niveau symbolique. Donc je pensais pas mal de gratter un peu, quand il se passe des phénomènes comme ça, de gratter un petit peu, voir ce qui se passe, pourquoi, comment, et au moins de mettre des mots dessus. Et plus encore, un moment qui politiquement est quand même, on est à un moment charnière, parce qu'on est à un moment donné où les nationalistes sont arrivés à la collectivité de Corse, et je pense que c'est extrêmement important d'opérer un espèce de mouvement critique, une espèce de pensée critique qui permet de regarder ce qui s'est passé depuis ces 40 dernières années et ce que ça a pu provoquer. Après, il peut y avoir mille et un points de vue sur ce qui s'est passé ces 40 dernières années. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant que les nationalistes sont là, que la société corse a l'air plutôt sur cette route-là, je pense que c'est hyper important de débattre des notions qui sont utilisées dans les discours politiques et de voir les effets que ça peut avoir sur certaines personnes. Il n'y a pas de spécificité en Corse sur nationalisme égale racisme. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui est indiqué, ce qui est l'idée qui est défendue dans le livre. Donc on ne peut pas faire de raccourcis comme ça. En revanche, toute la littérature sociologique à laquelle moi je me raccroche, elle montre dans quelle mesure, quand il y a un nationalisme, quand il y a un nationalisme qui défend soit une nation en émergence, donc qui n'existe pas mais qu'il voudrait faire exister, ou soit une nation qui existe, il y a une petite brèche dans laquelle il est assez facile de s'engouffrer et qui renvoie à la définition même de la notion de nation et de peuple. Dans la notion même de nation, il y a ces deux éléments qui sont toujours en tension, hein. Le peuple défini de manière identitaire et le peuple défini de manière politique, civique. Et c'est les deux sont toujours en tension. Et dans l'histoire des nationalismes, il y a toujours un moment où il y a la définition identitaire ou la définition politique qui va prendre le pas sur l'autre. Et en Corse, on a connu ça ces dernières années, c'est que ce qui fait consensus, c'est une définition identitaire du peuple. Il y a la communauté de destin, certes, mais sauf que pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à la mettre en œuvre. Et je pense que c'est lié au fait que pour l'instant, le projet politique autour de la notion de nation est encore un peu faible. Et que du coup, pour faire nation, on se raccroche à la définition du peuple, à cette définition identitaire du peuple. Et à mon avis, là est le danger. Parce qu'à partir du moment où on commence à définir un peuple en fonction de, avec, enfin, uniquement, quasiment en fonction de son identité, là on s'engouffre très rapidement parce que qui est corse, qui ne l'est pas, qui est français, qui ne l'est pas, qui on fait rentrer dedans, qui on exclut. Et d'ailleurs, c'est le principe même de la nationalité, hein, qui va avec, qui est accroché à la notion de peuple et de nation. On le voit très bien avec la France. Qui a la nationalité française, qui peut l'avoir et qui ne peut pas l'avoir, qui on exclut.